Je vais décider. Mais pas le fait. Hop, la manette. Oula, putain, le son m'a pété d'un coup à la gueule. Bon, allez. Je me rappelle, c'était quoi du délire du jeu? Ah oui, c'était ça. Et moi, ça me revient. Ah, c'était ça, ok. Merde. Toi, t'es sérieux, toi? Je mets la voix pote à charger. En 2 secondes, elle est pas chargée. Eh hey merde, préparez la voix pote moi pour pas rouler de clope, je vais être obligé de rouler une clope. Oh chien. J'avais pas prévu cette connerie. Contre-temps. Enfin, pas analyser les niveaux. C'est plus si on peut passer à travers les aliments. Si je dis pas de conneries là, faut que je décale. Ouais, je sais plus, on va tester. Calmez-vous. Au fait, je vais même pas regarder s'il y avait le show des qualités. Ouais, il y a le show des qualités de. C'est bon. C'est très bon. Thank you.
Eh merde, j'avais pas le micro d'activé, pardon, j'ai parlé depuis tout à l'heure dans le vide. J'ai dit des remarques, quasi d'amour, comment va? Ça va toujours bien ou quoi? Yo MC! Salut, salut MC, comment tu vas? Ah, tu as vu ton jeu favori? Tu as vu ton jeu du cœur? Bah ouais, je t'avais répondu, ma petite quasi d'amour, dès que t'as écrit le message, t'avais demandé si ça allait toujours et tout, mais j'avais oublié d'activer le micro parce que je suis un abruti. Tu vois, quand je te dis, je suis con. Tu vois, t'es gentil avec ma neurone, mais moi je te l'ai dit, je suis con, ma petite casu. Comment ça va bien, MC? Quoi? Quoi? Ça va super, mais nice alors. Bah écoute, ça va très bien aussi, MC. Et yo, Arabo! Salut, salut, Arabo, la forme. Bah ouais, monsieur Arabo, ça toujours. Mais non, pas con, je vais t'appeler. Mais merci beaucoup pour ton resub, MC! Merci beaucoup pour le resub. 8e mois, c'est beau. T'as 8 mois, bah plus de 8 mois, j'allais dire 8 mois de soutien, mais c'est plus de 8 mois de soutien. 8 mois de sub, moi encore sur toi MC. Cœur sur vous madame MC. Ah mais je peux pas le dégager. Et quand je dis je suis con, c'est je suis con, vous allez arrêter de me contredire. Hein. Moi je vous le dis, je suis con, je le sais et j'en suis fier. Ça ne me dérange pas, je le dis très bien. Moi je le vis très bien d'être con. Y'a aucun souci. Ouais. Wow. Il me faut chier, mon pauvre voix. C'est une conviction ancrée au plus profond de moi contre notre spécialité. Mais comme toutes les femmes. J'ai envie de dire comme toutes les femmes.
Ça m'étonne même pas. Je suis pas étonné. Tu es bien une femme, c'est tout. Hein. Tout simplement. Je vais me faire insulter. Rabot, ça va toujours comme sur Rabot. Bravo qui me dit yo l'ami, voir qu'on est même pas de la même famille. Et après il me répond plus. Bravo. Y'a pas de yo l'ami avec moi. Je n'ai pas de famille. Nickel comme dame, mais nice alors. Nice, ça va bien alors. Ah merde, il faut que j'en restack un en haut. Ok, là-bas on peut. Du coup. Voilà. Non, pas toi, calme-toi. Ah putain, la portée elle est limitée. Ok, je croyais que je pouvais tirer mes crachats de glace partout où je voulais. Y'a pas de soucis, oh bon, y'a pas de soucis, t'inquiète, t'as pas être sur lui. Tu vas pas être désolé, tu pars si tu veux, tu fais ce que t'as à faire, voyons. Pourquoi serais-tu désolé, qu'est-ce que ça me bat les couilles. Par contre, moi j'ai pas fait tous les niveaux de la gauche. Moi je voulais faire tous les niveaux. Ouais. Ah d'accord, lui c'est un enfoiré qui essaye de me shooter. Intéressant. Mais non. Ok. Et en plus j'ai pensé à toi MC en lançant ce jeu. Comme par hasard tu vois. Je savais pas quel jeu faire. Après j'ai pensé à ça. Du coup je me suis dit tiens c'est MC qui serait content de voir le jeu. Et bim. Comme de par hasard MC est ici. MC arrive tout plein d'amour avec Arisab et tout. C'est beau, c'est beau. Les grands esprits se rencontrent. Parce que moi, direct, j'ai pensé à toi en lançant ce jeu. Et c'est toi qui m'as fait découvrir ce jeu. Bah oui, du coup, je cherchais un petit peu de le faire, un petit puzzle game à faire en attendant ce soir. De base, je cherchais un Sokoban, mais il n'y a pas de Sokoban sur console. Donc je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être stylé. Et j'ai pensé à Kickle Cubicle. Je lui ai dit j'ai pensé à toi. Je me suis dit tiens Kickle. Je lui ai dit c'est MC qui m'a fait découvrir ça. Allez go. Je dis go Kickle Cubicle. Du coup. Je surkiffe Sokoban. Bien sûr Sokoban meilleur puzzle game du monde. Tous ceux qui aiment les puzzle games aiment Sokoban, c'est obligatoire. Si tu dis que tu aimes les puzzle games et que tu n'aimes pas Sokoban, c'est que tu es un faux joueur de puzzle game. C'est la base Sokoban. Trop trop bien Sokoban. Mais c'est même pas que j'adore les Sokoban. Ah merde, c'est Marlios, pardon. Oh là là, yo Marlios. Ah, c'est même pas que j'adore les Sokoban, c'est que j'adore tous les puzzle games. Mais bon, en tout cas, Marlios, ça va bien. Ah d'accord, je peux les bouger comme ça, ok, je savais moi. Ouh, on peut pas les défoncer. Ah, je peux prendre les blocs sur moi, ok. J'étais pas au courant. Ah moi c'est un de mes styles favoris les puzzle games. Puzzle game franchement c'est. J'adore. Comme tu es honnête, dernièrement là j'avais refait tout l'Adventure of Lolo. Mais j'avais pas fini le 3, faut que je finisse le 3 d'ailleurs. Je m'étais arrêté vers la fin, vers le 8ème monde. Mais les puzzle games c'est la vie.
C'est des jeux marrants et en plus ça te fait travailler la neurone. Quand on est con comme moi, il faut faire travailler la neurone. Les ficelles. Tu dois connaître, mais un autre que je jouais souvent étant enfant, Tale of Fate. Après un Mahjong solitaire là, je ne crois pas qu'il est difficile, par contre, même plutôt facile. Ah, je connais pas du tout. Je connais pas du tout, et le problème, c'est que les vrais Mahjong, le vrai Mahjong, pas le Mahjong le faux là, faire des paires, le vrai Mahjong, je connais pas les règles. Je connais pas du tout les règles du Mahjong. Wow! C'est quoi le truc qui a explosé là? C'est quoi cette bombe là? Ah ouais d'accord, il s'énerve. Mais pardon, je savais pas moi. J'étais pas au courant. Ah c'est du faux faire des paires. Ah bah ça peut être cool alors. Ça j'aime bien. Ah c'est, on appelle ça le Mahjong solitaire, ok. Ah bah si c'est Mahjong solitaire, ouais ça va alors. Moi je connaissais pas le nom du Mahjong où tu fais des paires là. Ah bah c'est bien le Mahjong solitaire, c'est sûr. Donc solitaire, au moins, il n'y a pas de problème avec les règles. Je dis vraiment, le Mahjong, Mahjong, le vrai Mahjong, j'y connais mais que dalle. Je sais pas, je vais l'embêter. Bah non, mais je sais pas, moi, tu congèles une bombe, normalement, elle s'énerve pas. Bah, le Mahjong artifact, voilà, le vrai Mahjong, ça peut être intéressant, mais faut connaître, comme ça peut être cool. Le 1 et le 2 de... je sais pas, Jason Games. De quoi, les... Tales of Fate? Non, je connais pas du tout Tales of Fate. Mais... bah tiens. Tu sais quoi, Madame MC? Je vais le noter, ton jeu. Je vais le noter dans les propositions des jeux à faire. Si je retrouve mon stylo. Et je retrouve pas mon stylo. Je retrouve pas mon stylo, donc on va l'écrire sur une note sur le PC. Mahjong Artifact, c'est du Mahjong solitaire. Ah, tu parlais de Mahjong Artifact, le 1 et le 2 fait par machin. Bah, je vais noter aussi dans les jeux à test. Attendez. Jeux à faire. Donc, dans les jeux à faire, on a Tales of... C'est quoi, c'est Tales? Je vais noter vos propositions. Tales of Fate. C'est quoi, c'est sur NES, MC? C'est sur NES ou c'est sur une autre console? GG Level Up. Et donc tu m'as dit Mahjong Artifact. Mahjong Artifact 1 et 2. C'est sur quelle console pareil? C'est sur quelle console Mario? Ah, Android et PC. Ouais, bah Android, j'en ai rien à foutre. Android, j'y toucherai pas. Je regarderai sur PC du coup. Oh, moi j'ai pas d'Android et je peux pas le stream. Tout ce que je joue, je le fais en stream, donc faut que je puisse le stream, donc on verra la version PC. Mais merci bien pour vos propositions. Merci pour vos propositions, ça me fera du programme en plus. Vous donnez du contenu à la chaîne, c'est gentil. Bah, je te dis, faudra que je teste sur PC du coup. Mystica 3 et 4. Mystica 3 et 4? Je connais pas non plus, tu vois. Mais Mac 3, Mac 3, ah si, Mac 3, c'est le jeu que tu m'avais fait découvrir l'autre fois sur PSP. Ouais, Mac 3, c'était le jeu de PSP d'avion trop cool là. Elle était vachement bien. J'avoue qu'au début, j'avais des a priori, je me suis dit, ouais. Je m'étais dit,
jeu de course comme ça et tout, ça peut, ça va pas être ma cam, mais au final, gros kiff. Je m'en souviens. L'autre fois dans un 3 voix qu'on m'avait fait faire Mac 3, qu'on m'avait fait découvrir Mac 3 et qu'on m'avait fait faire match 3. Et lors d'une soirée retro en vrac. Ouais, être long ce putain de niveau là con. Bah moi de base je pensais pas que ça allait être ma cam. Je pensais pas que ça allait mettre. Allez, être ma cam, mais au final, bah bon délire. Ouais, attention. Il manque beaucoup de styles de jeu de nos jours. Malheureusement. Mais bon. Pas que ça, mais c'est vrai qu'il y a la grande majorité de ça. Après voilà, il y a du RPG qui sort, il y a plein de choses, tu vois, des Trail of Mana, des conneries comme ça, ils trouvent bien des FF7 remake et escroquerie. Ils en sortent des jeux de merde. Ah mais après, les gens ils demandent. Hein. S'il n'y avait pas une forte demande, il n'y en aurait pas. Hein. Le délire c'est qu'il y a une très forte demande, donc bah ils satisfait, ils font ce que les gens demandent. Tout simplement. Oh lolo, bah on parle même pas de ça. Arrête donc avec les remakes. Moi c'est bon, les remakes j'en ai plein le cul. Ils s'en foutent que ça, que des remakes et des remasters. Tu préférais pas voir des jeux originaux, des nouveaux jeux originaux, tu vois, des nouveautés, plutôt que de voir des anciens jeux ressortir. Et de payer des anciens jeux pour quelques modifications et se faire carotte à avoir que des remakes et des remasters. Non, moi je préférais des nouveautés, de vraies nouveautés. Travail de branleur, les remakes et les remasters, c'est de l'argent facile, c'est juste pour nous pomper notre thune. Ouais bon, y'en a marre d'être pigeonné. Je suis totalement pas d'accord avec toi. Moi, les remakes et les remasters, comme je dis, c'est bon, y'en a plein le cul. Sortez des nouveautés, bordel de merde. Heureux, Faz. Heureux, Faz, ça va toujours, l'ami. Ça va toujours bien ou quoi? Ah, oh, la nouveauté. Ah, c'est un boss. Qu'est-ce qui se passe? J'ai... On est par la direction. Ah oui, un boss. Ok, on peut pas dire, mais non, c'est ça. Moi, c'est un iPhone. Oh my god. Heureux, monsieur Gigi. Heureux, frangin, merci pour le host. Merci beaucoup pour le host, Gigi. Alors t'as miné Among machin. Bon moi t'as toujours phase hein, comme d'hab. Ça va toujours très bien, tu me connais. Alors le gamin a fini de faire des bêtises. Mais re Juju. Re frangin. Alors Among machin, qu'est-ce que t'en as pensé? Il est bien? Du peu que j'ai vu là, il a vachement cool ton jeu. Il avait l'air vachement cool, Among truc. Ouais, bah je m'en doute bien que tu l'as pas fini. Ça aurait été vite si t'avais fini le jeu en même pas 2 heures. Ça aurait été un peu rapide.
Ouais, elle avait l'air vachement cool le manque de slip. Elle avait l'air vachement cool. Ah, mais d'accord, je peux passer. Je croyais que je pouvais pas passer. Ouais, mais elle est sur combien de chapitres? Ça n'a rien à dire. Il y a combien de chapitres? Si t'as 20 chapitres, il est pas court. D'accord, je peux les pousser là-bas, ok. Il veut pas... Attendez. Petit problème. Merci pour le follow, Serpent62. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Comment ça va? Mais ça penche, j'étais vu quelque part aujourd'hui. Ton pseudo me dit quelque chose. Ah ben oui, je t'ai vu chez Berserker. Je t'ai vu chez Berserker, ça me revient. Et bienvenue à toi en tout cas, Serpent, merci pour le follow. J'espère que tu vas bien. Il me fallait un truc, on est d'accord. Hein. Je peux recommencer? Ah, on peut se suicider à l'aventure en follow. Ah, je me dis que ton pseudo me disait quelque chose, je t'ai croisé aujourd'hui. Je crois que le game over ça va m'enculer de la chimane. Par contre, aussi sur ma chaîne quand je joue à un monde de script, mais il n'a pas parlé. Ah, bah voilà, bah, il est aussi chez toi alors. Lui, il est chez Berserker, du coup après ça arrête Rexy, donc c'est chez Rexy. Ah, pas de soucis. Bah, moi perso, y'a pas de soucis. Ton parle, ton ne parle pas, tu le fais comme tu veux, poto. Je ne te force pas à parler. C'est comme bon te semble. Ça arrive de pas être en forme. Moi, en tout cas, bienvenue à toi encore une fois. Il y a beaucoup de niveaux. Eh, le jeu il a l'air hyper long en vérité. Il a l'air grave long, il y a tellement de niveaux. Oh des bombes. Oh my god. Oh mon god, il y a des bombes. Ouais. C'est non. Non, je suis pas d'accord, vous êtes trop rapide. C'est trop rapide les bombes. Des outils pour m'aider. Ah oh. J'en sais rien, MC. J'en ai de bons tenir à l'époque. Bah il a l'air vraiment cool. Je suis d'accord, franchement il a l'air vraiment cool. C'est MC qui m'avait fait découvrir la dernière fois et gros kiff, gros kiff. Oh il m'a niqué mon truc ce con. Mais comment ils veulent que je fasse? Ils sont cons? Ils sont cons ou c'est moi qui suis con? Ah, c'est moi, pardon, my bad. Mais du coup, non, je vois pas les outils que tu parles, du... Parce que je vois aucun item à part le suicide en touche, y'a rien. De quoi, Macadu? Non, mais va te faire enculer. Qui a votre casu? Pourquoi un tss? Pourquoi tu me tss? Ok. Mais hey, il va se faire enculer un moment. Je pose des blocs de glace, il arrête pas de les enlever alors que je suis pas dessus.
Oh, mais faut arrêter, hein, je dis que la vérité. Je dis que la vérité, faut s'y faire. C'est la vérité, je suis con, je suis con. Je fais preuve tous les jours que je suis con. Je montre très souvent que je suis con. Ouais, je suis pour rien. Pas de ma faute, je suis né comme ça, faut pas. C'est tout, c'est la vie. Hein. Et je fais comment? Clairement, là, je comprends pas. T'inquiète pas, je le vis très bien, voyons. Je le vis très bien, je vois pas pourquoi ça t'énerverait alors que moi je le vis très bien, tout va bien. Moi je vis très bien avec ma neurone et ma connerie. Ça me fait du bien de voir ce genre. Ouais, j'imagine. J'imagine, enfin t'as passé cette escroquerie. Enfin tu as fini l'escroquerie. Non mais il va me casser les couilles ce niveau. Il va vraiment me casser les couilles. Pas de crevant en bouche, je comprends pas pourquoi ça, je peux pas les prendre les blocs verts là. C'est quoi de la tête? What? Yoko, salut, salut Yoko, comment on va? Ah, il est vraiment cool, hein. Je suis tout à fait d'accord, il est vraiment cool. Je l'ai découvert il y a quelques temps, hein, MC qui me l'avait fait découvrir, je ne connaissais pas de base. J'avoue qu'il est pas mal, j'aime bien. J'ai pas eu le temps, je ne sais pas quoi dire, je vois que le niveau était fini. Bah parce que quand t'attends 7 ans pour avoir un jeu qui est à copier-coller du 1, Inès, c'est une escroquerie. Quand les gens ils mettent 7 ans à te sortir un jeu et que dans le gameplay, dans les mécaniques et compagnie, il n'y a absolument aucune différence avec le premier, ça s'appelle du foutage de gueule, donc une escroquerie. Oh, une sorte de warp me semble lié au point. Bah à mon avis, c'est surtout. Attends. C'est surtout parce que le jeu il s'est rendu compte que j'étais une grosse merde, qui arrêtait pas de crever. C'est dit le mec il est tellement noob, ça fait 10 fois qu'il crève dans le niveau, on va peut-être l'aider. Je pense que ça doit être ça moi. C'est dit le mec il est nul à chier, ça fait 10 minutes qu'il crève sur le même niveau, on va l'aider. Clairement je le vois comme ça moi. Et merde, je regardais pas. Copier du bien mais au moins bien surtout. Ah aussi ouais. Ah ouais non t'as eu raison, hein. Y a aucune différence avec le premier mais bon, on va pas spoil. On va pas spoil, je vais pas en raconter plus, mais en tout cas, niveau gameplay et mécanique de jeu, c'est un copier-coller du 1. Maintenant que tu connais aussi ce jeu, Yoko. Ah, si c'est un de tes jeux favoris, alors. Tu as de bon goût? Bah oui, à ce point-là, je te dis, c'est exactement ce que tu peux demander à Jules. Le gameplay, les mécaniques, les items et compagnie, c'est tout comme dans le 1, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. T'as joué au 1, t'as joué au gameplay du 2. Après, pas l'histoire et compagnie, ça, l'histoire et tout, ils ont changé des choses, mais pas le gameplay, pas les mécaniques. Pas de nouvelles armes, rien de tout ça. De l'escroquerie. J'appelle ça une escroquerie. Et à tous ceux qui viennent de sortir, oh, ce jeu de l'année, c'est une merveille et tout. Je leur dis merveille, mais burnes. Je crois, ça fait pas qu'en 7 ans, ils ont rien changé dans cette aventure. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Là non, c'est un boost de points. Ouais, bah à mon avis, il te le donne, comme je disais, c'est quand tu vois que tu galères trop. Je pense à mon avis, il te le donne quand tu galères trop, parce que là, ils me l'ont donné, parce que ça faisait 10 fois que je recommençais le niveau, quoi. Pour faire le noob, à mon avis, pour l'avoir. C'est quoi, c'est des canons? J'aime pas trop ça. Avec le A, tu poses un pion, tu bloques les ennemis, ça t'approche. Et no backseat, s'il te plaît. Désolé, Yoko, mais ne backseatez pas, s'il vous plaît. Et un truc que je n'aime pas, le backseat. J'aime bien découvrir par moi-même les jeux. Pas parce que je les fais en live que j'ai envie qu'on me donne les solutions. Et
Mais t'inquiète, j'étais au courant, hein, poteau. De plus, j'étais au courant. C'est pas, je savais déjà ça. Ouah, c'est dégueulasse, je m'en moque. Ah, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Après, c'est normal, en même temps, Yoko, j'aurais pas... Je devrais même pas avoir à le dire, c'est tout le monde. C'est comme toi, si tu fais un jeu, que tu découvres un jeu, parce que celui-là, je l'ai jamais fait. La dernière fois que j'ai joué, j'avais fait que le premier monde. Comme toi, si tu découvres un jeu tout seul chez toi, t'aimerais bien qu'il y ait ton pote à côté de toi qui dit ouais, tu peux faire ça, fais ça, fais ceci. Ça t'emmerderait un petit peu, je pense. C'est tout le monde, le Baltic, ça emmerde tout le monde. Eh merde, tu peux attendre de décaler. Je pense que c'est tout le monde, tu vois, tout même toi, tu serais chez toi, comme je te dis. T'aurais ton pote à côté de toi qui te dirait, tiens, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. À un moment, tu dis, ah non, mais ferme ta gueule. Laisse-moi jouer. Ça va être péchant, après, y'a pas de soucis, t'inquiète, hein. Eh merde. Dans le manuel, je voulais pas ça comme du bâtiment. Ah, mais moi, j'ai pas de manuel. J'ai pas le manuel. Le manuel, ça reste une astuce que je suis pas censé savoir. Et merde, j'ai pas eu que ça faisait des mois à gogo. J'ai fait le con. Ça reste Baxit, j'ai pas le manuel, j'ai pas le jeu en physique, je joue sur émulateur, donc je savais pas, tu vois. Mais après, y'a pas de soucis, t'inquiète. Hein. Et de toute façon, je le savais déjà. Dans tous les cas, ce que tu m'as dit, j'étais déjà au courant, donc c'est pas un gros souci. De toute façon, même si j'aurais pas su, j'aurais bien vu à un moment, je pense. Qu'il y a des niveaux avant dans le premier monde, t'es bloqué à cause de ça. T'es bloqué à cause des trucs en glace là, donc t'es obligé de les ramasser. Le jeu même de lui-même, il te le fait découvrir dans tous les cas. Oh, je m'en rappelle de ça, mais j'avais déjà été jusque là. Je m'en rappelle du marteau. Ouais, c'était ça. Et le marteau, il tourne dans le sens où tu tapes. C'est vrai. De toute façon, je vais essayer d'avancer un maximum jusqu'à 19h. À 19h, j'ai un live perso de prévu. Je dois faire le live de Monsieur The Série de Chiffres. On va jouer à The Thing. The Thing sur PS2, et au final le jeu, je pensais qu'il me disait rien, mais il me dit totalement quelque chose. C'est... Deux souvenirs, c'est de la merde. Ce que je me rappelle, c'était de la merde. C'est un jeu que j'avais commencé à jouer, que j'avais très vite lâché l'affaire, parce que j'avais pas aimé du tout. Donc on respectera le live de Série de Chiffres, mais... C'est pas un jeu que je ferais à fond, à mon avis. Si c'est bien le jeu auquel je pense, bien sûr, je peux me tromper. Mais à la jaquette, ça m'a rappelé un jeu que j'ai des mauvais souvenirs. J'ai eu des souvenirs du Vietnam. Ça, The Thing. Yeah, calme-toi le canon. C'est ça. C'est ça, Juju. Un jeu dans la neige avec des monstres chelous.
On verra bien ce que ça donne, n'en parlons pas. C'est pareil, no spoil, no backseat, n'en parlons pas. C'est juste que je crois avoir des souvenirs de ce jeu-là, c'est un jeu tiré du film exactement. Mais n'en disons pas plus, je verrai bien. Je verrai bien si c'est le film que je croive ou pas. J'ai fait le con, du coup il me nique tous mes mobs. Vais prendre la vie quand même. Pendant le film, on est partout, t'inquiète. Moi, j'espère bien. Ouais, je vais bien, le film, je connais pas. Je ne connais absolument pas le film, j'ai vu. Ça ne me dit rien, je te dis, même le jeu, je suis pas sûr de le connaître. C'est à la jaquette, ça m'a rappelé quelque chose. Quand je l'ai téléchargé tout à l'heure, j'ai vu la jaquette, je me suis dit, oula, mais j'ai déjà vu ça sur Play 2 à l'époque. J'ai déjà touché, hein, ce truc de merde. Pour moi, c'était un truc de merde. Je level up. Mais tu niques ta mère le canon. Bon, t'as pas de mère, mais quand même. Fallait me tuer ce con de canon. Parce que je veux, hein, qu'on apprécie le film, je pense retrouver. Ah, je te dis, le film, il me dit rien du tout. Le film ne me dit rien. Bah ouais, pareil, hein, c'est possible que je l'ai déjà vu avec ma mémoire de merde. Tellement une mémoire en carton. Bon, ça avance, mine de rien. Finissons le deuxième monde. Il reste combien de niveaux? Eh, par contre, en vrai, on me l'avait pas dit, mais il a l'air d'être hyper long, le jeu. Je sais pas, il y a combien de niveaux, mais putain, rien que dans un monde, là, il y a combien? J'ai pas eu le temps de compter. Il y a facilement une quinzaine de niveaux, là, dans le level. Facile. Mais oui, mais bien sûr, cette manette, je vais péter un plomb. Je sais pas combien de fois j'ai appuyé sur la gauche, elle a pas voulu aller à gauche. Devoir jouer avec un joystick à la con aussi. Bon, ça m'énerve cette histoire. Ah, mais là non, ça va me l'envoyer vers moi en même temps. Mais seulement de penser. C'est pas une bonne idée ce que je suis en train de faire. Attends, je fais le test. Ah, faut que je le mette à gauche. C'est l'autre qui est mal placé. Ah non, c'est bon. C'est bon. Mais putain, elle est folle la bombe. Que je t'avais donné, tu peux pas te la route, je peux donner un jeu à découvrir à la place ou pas. Bah non. Non, 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 t'inquiète, je vais avoir une nouvelle manette bientôt et puis je vais faire ton speedrun. Je vais faire ton speedrun, maintenant c'est noté, c'est préparé, Juju, c'est prévu, donc je vais le faire. C'est possible pas. Bah je vais faire ton jeu, Juju.
Je vais faire le speedrun de Super Punch Out. Ouais, c'est comme tu veux, hein. Si tu veux changer, tu peux changer, mais le speedrun de Super Punch Out, voilà, j'étais chaud, c'était prévu, j'avais déjà commencé à regarder les runs et compagnie. Hein. Ouais, c'est comme tu veux, mais bon. Si tu voulais me voir speedrun de Super Punch Out, tu vois pas pourquoi tu changerais, c'est con. C'est con. Bah ouais, bah oui. Yo Pat, salut Pat, comment tu vas? La forme. Ah bah je te dis après juste, c'est comme tu veux. Si tu veux changer, on change. Si tu veux changer, on change, m'en fous moi. Ça m'arrangera hein, si c'est une découverte de jeu. Une découverte de jeu, c'est moins galère et moins long. Hein. Ça me dérange pas. Tout va bien Pat, mais nickel alors. Ah moi ça va très bien comme d'hab hein. Comme toujours la forme. Ah moi c'est toi qui vois. Comme je te dis, t'as dépensé tes sous-sous pour le speedrun. Après si tu veux changer tu changes, tu veux pas changer tu changes pas, tu fais comme tu le sens. Ah bah je sais ça. Je sais que c'est une de tes licences préférées, Punch Out. Mais comme je te dis, dans tous les cas, t'as dépensé tes sous-sous, t'as payé ton speedrun perso, si tu veux changer, tu peux. Hein. Tu fais comme tu le sens. Wow! Ah merde, ils fondent à la longue mes blocs de glace. Je savais pas ça. Oula, attendez, là j'ai du mal à capter. Parce qu'il faut que j'arrive à en mettre un à droite ou à gauche. Attendez, il faut que je réfléchisse, ça y est. Ça y est, ma neurone doit réfléchir. En gros, faut que... C'est de la merde. Faut que je fasse comment? Je vois pas très bien. Je vous cache pas que je vois pas très bien la solution. Pourquoi les deux blocs sont venus vers moi? Je pensais que l'autre il allait partir en rebond normal. Pas compris là. Ouais, mais j'ai pas compris pourquoi le rip. Thank you.
la bloquer en bas. C'était en haut que je voulais bloquer. Ah mais là je suis en train de jouer sur un coup de chat quoi. Non mais pourquoi il se bloque pas? Alors là, attendez, je vous avoue, il faut que je réfléchisse parce que je comprends rien du tout au niveau. Je vois pas la solution. Je ne vois pas. Vous savez, ça commence à être puzzle game, c'est bon, on y est. On commence à être dans la difficulté. Parce qu'en gros, faut que j'arrive à faire monter deux blocs en haut. Pour après les faire se bloquer sur la droite ou sur la gauche au trou là, mais j'ai du mal à voir comment monter les blocs en haut et les bloquer et les stopper quoi. Je vais mettre deux sur la même ligne, mais il y a une chance sur deux que je me fasse défoncer la gueule aussi. On est d'accord. Et encore parce que juste avant je l'ai fait, j'en ai mis deux en verticale sur la même ligne et les deux bougeaient ensemble. Il n'y en a pas un qui stoppait l'autre. Donc faut que j'arrive à en mettre. Oh là là, je sais pas. Faut que j'en fasse partir un à l'horizontale pour bloquer l'autre. Faut que j'arrive à en monter un en haut et le mettre à l'horizontale. Je commence déjà à bloquer. Et après, on va gueuler quand je vais dire que je suis con. On est qu'au deuxième monde, je commence déjà à bloquer. Bien sûr que je suis con. Ça doit pas être si compliqué que ça, putain. Mais au deuxième monde, je comprends pas. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Et re ma petite casu. Re Inès. C'est bloqué là. Oh là, j'ai failli crever de ouf. Voilà pourquoi ils partent à deux. Ça, je comprends pas pourquoi il n'y en a pas un qui bloque l'autre. Rappelez la laisse tomber, ils en tuent tout le monde. Voilà pourquoi les deux ne s'arrêtent pas. J'ai le level up. Alors là, et en plus c'est la bombe qui me pète, et le canon qui me pète mes blocs en haut. Ah ouais, ouais. Je vois pas. Je commence à sécher. Parce que en gros, faut que j'arrive à bloquer un bloc par ici comme ça pour mettre à la verticale et un autre bloc pour mettre à l'horizontale.
Bah il a sûr détruit le bloc, tout à fait. Je commence à sécher de dingue. Game over, tu m'étonnes, je vois que du game over. Donc j'aurais pas trouvé la solution, je vais faire que du game over. Compliqué cette histoire. Compliqué ce petit Kickle Cubicle au final. Je le voyais quand même petit jeu mignon tout facile. Mais au final, malheureux, il commence à surchauffer. Partir vers le bas, il part à gauche, t'es sérieux dans ta vie? Ah d'accord, oui, je peux quand même le repousser comme ça, ok. Ok. Et re, Arius! Re, monsieur Arius, merci pour le host. Ça va toujours? Ah, bien avancé dans ton commerce. Ça a bien avancé ton commerce. Ah merde, c'est vrai qu'ils vont pas sur les cases oranges. 26%. Bon, ça va en une journée. Pour le premier pourcent, ça va, ça veut dire en 4 lives, normalement tu peux terminer si tu fais du 25% à chaque live. 4 sessions, tu peux faire ton 100% dans ce cas-là. T'es un joueur 4, je dis pas de conneries, Lingo, c'est pour ça qu'il est dur. Bah, c'est pas vraiment qu'il est dur, c'est que la solution est un peu plus compliquée que ce qu'il y avait au début, c'est tout. Après, la difficulté, on a vu pire. Là, j'aimerais bien qu'il se bloque en haut celui-là. Oh, mais j'ai compris, je suis un teubé. La vérité, après on va me dire, ouais non, y'a pas quand tu dis t'es con, et machin, mais je suis un putain de con, oui. C'était tout simple. Par ça, je suis pas un con, c'est tout simple, j'ai juste à rechoper les blocs, n'importe quoi. N'importe quoi, mais bien sûr que si je suis un gros con. J'ai juste à rechoper les blocs, tout simplement. Quel abruti, j'avais pas besoin de me prendre la tête à pousser des blocs par d'autres blocs. Le mec, il cherche trop compliqué. Il cherche trop compliqué alors que c'est putain de simple. C'est honteux. Bah, cherche trop compliqué. What? Ah merde, c'est dans l'autre sens, fait chier. Attends, faut que je trouve la trajectoire. Avec le marteau là pour l'envoyer en haut, ce serait quelle trajectoire? Ah, j'ai compris. J'ai trouvé, vous inquiétez pas. Encore une fois, chercher trop compliqué.
C'est la fatigue en même temps. Streamer toute la nuit, toute la matinée sans dormir, hein, ça, voilà le résultat. Ah, le marteau de merde, il me tue. Je le savais pas. Putain, j'étais pas au courant par contre. Bon, alors je le sais. Ouais, c'est deux niveaux, c'est ça. Deux niveaux à prendre un petit boss. J'ai bien compris le délire. Là, ça va être la merde. Merde, il revient là. Je suis con. Bah ouais, il longe à droite, je suis con. Ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. J'y avais pas pensé. My bad. Non, non! Faut j'arrête d'être con, moi! Faut j'arrête d'être un débile, j'ai failli me tuer encore! Allez, allons sauver les ananas! Oula! Quoi? Mais j'ai fait un crachat de glace. J'avais fait un crachat de glace, je me suis fait baiser. Je vais m'a baiser, il a triché. Ouais.
Merde, comment je vais l'envoyer à droite? Comment je peux faire un chemin jusque l'îlot de gauche? Je suis encore débile. Putain, je me tue. Il fallait juste que j'aille en bas. N'importe quoi. C'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Ma neurone s'est allumée. Mais merde, c'est pas ça que je voulais faire. Mais putain! Il est pas parti le crachat! Ah. On arrache ma ligne là. Simplement. Allez, go boss. Ah, la pomme qui me parle. Et toi, la pomme? Ah, je m'appelle Kickle. D'accord. C'est mon perso qui s'appelle Kickle. Je savais pas. Oh! Moïse qui est passé dans le coin. Ah, les devs à l'époque, hein. C'est l'époque du LSD et compagnie, ça. On voit les influences du LSD. Ah d'accord, c'est pareil, faut que j'esquive, ok. Je pensais que je devais la congeler. C'est pas des petits blocs de glace, je vais devoir congeler pour faire de la glace, mais non en fait. Au but que j'esquive, pareil que le premier boss. C'est exactement la même que le premier boss, c'est dommage. Je m'attendais à justement à un nouveau, une nouvelle mécanique, un nouveau gameplay. Yeah, une nouvelle mécanique, un nouveau gameplay, fait des saltos le con. Ah c'est 4 coups ce coup-ci. Ah et il en envoie deux fois des ballons, d'accord.
ouais, il y avait vraiment une nouvelle mécanique en fait. Juste que c'était plus long. Et qu'il avait un autre pattern. On va sauver combien de fois la princesse? On a combien de princesses à sauver? J'en ai marre moi de sauver des princesses dans tous les jeux là. Elles crèvent les princesses. Combien de niveaux? Putain, j'ai pas eu le temps de compter mais il y en a beaucoup. Non, toi... J'avais pas vu les ressorts. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait des putains de ressorts. Honteux. Je suis honteux. Toi, deux secondes. Putain, c'est casse-couilles les mecs de l'électricité là. Une fois que les mecs ils viennent pour se proposer leur abonnement de mes couilles là. Mais ils comprennent pas les gens. Ils sont acharnés les mecs qui font du porte-à-porte en ce moment là. Des acharnés de la vie. Deux fois que j'oublie le ressort. Putain de sa mère. Quelle connerie. Zaya, ils sont avant-hier ou je sais plus quand là. Ils sont venus toquer pour proposer leur abonnement de merde, là je sais pas quoi, l'électricité moins chère, je sais pas quoi, et ils reviennent encore aujourd'hui. Les mecs ils sont vraiment... Les démarcheurs ils sont vraiment énervés. Hein. Ouais, c'est 15 niveaux en fait par monde. Il y a 15 levels. Oula oula, mais ils mettent directement contre un pic, ils s'en foutent. Ouais. C'est bon. Pourquoi je me prends la tête? C'est bon, on a ouvert le passage. Yo, c'est les chiffres. Ouh, c'est quoi ces mecs en armure? Salut, 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 comment tu vas? Oh, on peut les tuer, ça va. Super. Comment ça va bien, salut, la forme? Prêt pour ton expert tout sur ton jeu nul, là? Et je crois me rappeler de ton jeu, salut, je crois que j'ai déjà joué à ton jeu et que j'avais vraiment pas aimé. Donc j'ai peur que j'aie de bons souvenirs et que ce soit un jeu que j'aime pas et qui soit très moyen. Bien, fait pas longtemps que je suis réveillé. Ah bah bon réveil à toi. Bon réveil à toi, c'est les chiffres. Ouais, par contre je te dis, ton jeu, je crois que quand j'ai vu la jaquette, quand j'ai téléchargé, j'ai eu des souvenirs du Vietnam. La jaquette du jeu me disait quelque chose et d'un jeu que j'avais vraiment pas aimé. Donc si c'est bien ça... Ouais, non, mais c'est pas le problème d'avoir essayé ou pas.
Le problème, c'est que de souvenir, c'était un jeu, comme je te dis, que j'avais vraiment pas aimé, que j'avais trouvé très nul. Donc je verrais bien si c'est bien celui que je pense. Mais il y a un jeu comme ça, dans la neige et tout, qu'au début, tu commençais dans la neige pour entrer dans un genre de bunker et de base, et j'avais pas aimé du tout, du tout, du tout. Ah, on verra bien, hein, de toute façon. On verra bien, mais je te dis, il y a un jeu dans ce style-là que j'avais vraiment, vraiment, vraiment pas accroché du tout. Même si c'est celui-là. Mais moi, j'ai pas vu le film, et voilà, quoi. J'ai pas vu le film, je connais pas le film, et voilà, quoi. Donc, si c'est fait pour les fans du film, c'est pas fait pour moi. Tout simplement. Bon, on verra bien, on verra bien, on verra ça dans une heure. Ta mère, le jeu. Ou peut-être avant, hein, du coup, vu que t'es là. Si t'es là et que Kika, j'en ai un petit peu marre, bon, on fera peut-être avant. Putain, je suis quatrième au score. Je commence à m'améliorer. Incroyable. Je monte dans le leaderboard. Il me reste 12 niveaux encore. Ah, il y a 16 niveaux en fait. C'est pas 15, c'est 16. J'ai mal compté là. Ouais, c'est ce qu'elle me dit, ça allait se péter la gueule. What? Attendez. Ah ouais, elle est pas mal, Cubicle. Bon petit peu de le game. Par contre, ça commence un petit peu à piquer. Là, je vois pas trop comment l'amener. Je vois pas trop comment l'amener sur le ressort. What? Désolé, je suis en pleine réflexion. Comment je vais... Mais comment je peux faire? Je peux pas bloquer moi-même le cube. Oh. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Ça va partir sur du help me parce que je comprends pas. Façon, comme tout jeu, hein, je m'accorde 3 jokers. Donc soit 3 jokers spoil Google ou soit aide du chat, si quelqu'un a la solution. Je m'accorde 3 jokers pour faire le jeu, mais là, je crois que je vais en utiliser un parce que je réfléchis encore. Je n'ai pas encore demandé, je réfléchis encore, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Puis je pense que dans le chat, il y en a, vu que j'ai vu, il y avait Yoko, c'était son jeu, un de ses jeux favoris. Même si elle le connaît bien, je pense qu'il y a des gens qui ont les solutions. Sinon, il y a Google, il y a Google Chrome dans tous les cas. Il y a Google qui peut m'aider.
Même si ça s'appelle Google Chrome, il est moins Google que moi. Mais moi là, je suis en train de sécher. Train de sécher parce que je vois pas comment bloquer un bloc juste avant le ressort. Bah juste après le ressort quoi. De réfléchir, mais ma neurone elle fume et je comprends pas. Un bloqué de spawn 2 secondes. Ah, ça le dégage dans tous les cas. Ah, c'est pas ça, hein. Je vois pas comment l'amener là. Je comprends pas. Bon, si quelqu'un a une idée, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Là, je prends le backseat. Je prends le backseat en cas d'idée et en cas de suggestion. Parce que je vous avoue que j'arrive pas à avoir la solution. Puis je crois avec cette chaleur-là, changement de température, j'ai chopé la crème. Bon, la crème en plein été, c'est n'importe quoi. Personne n'a d'idée? Personne ne voit une façon de résoudre ce niveau? À chaque fois que j'autorise le backseat, il n'y a personne qui veut le backseat. Et quand c'est interdit, tout le monde backseat. Bah bravo. C'est du joli. On est le monde à l'envers. Du coup, je dois aller voir Gogol hein, si je comprends pas, je vais demander à Gogol. Je vois pas, je ne vois pas du tout. Ah non, je les dégage, je les dégage. Je peux absolument pas acheter de blocs, c'est mort. Ouais, mais. Ah, je peux les fabriquer, ça! Mais oh la putain de sa race, mais je le savais pas que je pouvais les fabriquer. Je pensais qu'il fallait toujours que j'en ramasse. Oh, bah c'est bon, si, bah j'avais demandé, hein. J'avais demandé le coup de main avant, j'ai demandé un coup de main. Et personne n'avait répondu. Mais je savais pas que j'en avais à l'infini. J'en savais rien, moi je croyais qu'il fallait que je les ramasse. Je savais pas qu'avec A, je pouvais en poser à l'infini. Je pensais que les pions, fallait que je les prenne au sol pour pouvoir en poser. Ah maintenant c'est bon, bah voilà, ça va m'aider beaucoup. Ah non, que je fais ça, c'est bon. Je vois qu'il n'y a pas besoin d'un moment de tout essayer. Bah non, mais là je commence à demander parce que je trouvais pas la solution, je comprenais pas.
Je comprenais pas. Mais comme je te dis, le problème c'est que je savais pas qu'on pouvait les fabriquer, les bordels. Si j'avais su qu'on pouvait fabriquer ça, mais... Il y a plein de niveaux que j'aurais passé les yeux fermés. Plein de niveaux que j'aurais fait les yeux fermés, que j'aurais pas galéré. Ah d'accord, ouais, quand ils se mettent en carapace, par contre, les tortues ninja, là, elles me violent. Ah, mais maintenant que je fais ça, ça va m'aider. Maintenant que je fais ça, ça va changer beaucoup de choses. Bon, derrière l'ennemi le plus chiant. Ah ouais. Ah, c'est parce que je connaissais pas ce qu'ils... Je savais pas ce qu'ils faisaient, mais bon. Tu n'auras pas trop l'air pour le moment, ils ont pas l'air d'être trop énervés. Il va bien par la suite quand il y en aura plein à me casser des birnes. Nickel, Rat, si tu vas bien. Ben, ça va très bien, écoute. Ça va très bien aussi. Bon, bah, si tu réponds, on n'a pas besoin de te demander comment tu vas alors. Nickel, si tu vas bien en tout cas. Moi, comme je te dis, ça va très bien aussi, Rat. Eh merde, c'était dans le sens qu'il fallait que j'aille. Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Bah. J'ai poussé de trop loin. Bah, de trop près, je veux dire. Bah, vous m'avez compris, quoi. Eh merde, fallait que j'aille en bas. Faut que je pense aller dans le côté où il n'y a pas le ressort. What? Que hein? Comment ça se fait qu'il me renvoie ma glace, ce connard? Petit connard. Ça triche. Yo Alvix! Salut, salut Alvix! Ben, ça va très bien la forme et toi? Et toi, comment il va? Ouais, que je suis une chose, enfoiré, va. Comment il va, Albis? Albix, pardon. Comment va la chose? Ah, il respawn les tortues ninja? De pote qui m'a fait jouer à une purge sur Mega Drive, un Batman. Lequel de Batman? Quel Batman? Ah, parce qu'on est au milieu de Mega Drive, on arrête pas de m'en parler. On arrête pas de m'en barrer en me disant qu'il est hyper dur, machin. Ah bah, t'étais pas obligé d'y jouer. T'étais pas obligé d'y jouer.
Yo DJ, salut c'est DJ, bah ouais DJ, ça va toujours poto? Ouais non mais en fait j'ai compris un truc. What? Ah je peux pas mettre de bloc sur sur ça. Ok my bad. D'accord, et ça c'était de la merde. D'accord. Ouais, je viens de voir que c'est le code coloré, on peut pas. Je viens de voir ça. Si je baisse le marteau, ça va l'envoyer où? Ok. Eh merde, c'est de l'autre côté que je voulais l'envoyer. Bon, je fais un projet de rétro, donc je sais pas s'il est dur qu'on peut faire. J'ai joué 30 minutes. Ah si si, moi, on m'a dit qu'il était dur. J'ai jamais joué, mais on m'a dit qu'il était dur. Après, t'as pas besoin d'être un spécialiste des jeux rétro pour savoir si un jeu est dur ou pas, je suis désolé. Hein. Ah, c'est le live perso de The Série de Chiffres. Le live perso de quelqu'un qui s'appelle The Série de Chiffres. Pas obligé de chercher à comprendre, t'inquiète. Le live perso de quelqu'un. À payer un live perso. Comme tu peux voir sur la chaîne avec les points de chaîne, tu peux avoir un live perso et il y a The Série de Chiffres. Bon, il s'appelle pas comme ça, c'est The 444, 55, 44. Moi je l'appelle The Série de Chiffres. Et voilà. Et il a payé un live perso avec ses sous-sous, avec ses points de chaîne et du coup ce soir il y a son live perso à 19h. Mais non, je voulais le recongeler, connard. Je voulais pas taper dedans, je voulais le recongeler. Plus de tortue, t'es mort. T'es sérieux qu'elle me nique mes blocs? C'est honteux. Encore voulu me niquer mon bloc, hein? Connasse. Si je fais ça, ça va le dégager vers la gauche, on est d'accord. Ça va le dégager vers la gauche, moi je ne veux pas le dégager vers la gauche.
À réfléchir par où faudrait que je tape. En gros, le bloc, faudrait que je le mette vers où je suis à peu près. Faudrait que je le mette là. Ici où je suis. Le marteau, que je le mette vers en haut. Et que je tape le bloc directement vers là. Comment monter le bloc en haut aussi? Que je monte la tortue, elle a niqué mon bloc. Là, je peux le mettre à gauche. Ah, mais là, je vais revenir encore au même endroit là. Ma pauvre neurone. Ma pauvre unique neurone, elle est en train de prendre cher. C'est à cause de MC, tout ça, c'est elle qui m'a fait découvrir ce jeu de l'enfer. Tout ça, c'est de ta faute, MC, si ma neurone, elle prend cher. Tiens sur toi. Ça va aller, oui, c'est bien les puzzles, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais... C'est bon pour ma neurone, exactement. C'est pas faux. Et re, Canouch. Re, monsieur Canouch, ça va bien? J'ai trouvé. J'ai trouvé, attendez, je vais penser à un truc. Ok. C'est bon, j'ai compris. Pardon. Tac. Je dégage là. Je fais passer en haut. Je fais passer là. Tac, tac. Voilà. Ça va bien, ben nice alors. Nickel, nickel. Moi, bon, merci pour les GG, MC. Tiens sur toi. Ah, je comprends vite, mais je comprends facilement, mais je suis long à comprendre facilement. Ou un truc du genre. C'est quoi les... Juste un truc. Je veux juste savoir un truc. Les conneries de flèches rouges là. Ça fait quoi? Ça fait quoi les conneries de flèches rouges? Oh bah les gars ils font ce qu'ils veulent. C'est bien le sudoku. C'est bien le sudoku, laisse-le faire ce qu'ils veulent. Ouais mais là il y a rien à m'expliquer Inès, donc faut... c'est pas ça, je voulais remodifier le truc. Je voulais remodifier le truc parce que là on m'explique rien tu vois. Et je comprends vite, mais faut que je réfléchisse longtemps, plutôt, dans ce cas-là. Je comprends vite, mais faut que je réfléchisse très longtemps. Oui, non, mais je sais que c'est l'expression, mais je te dis, hein, moi je cherchais à la remixer, justement. Je cherchais à la remixer, ma petite casu. Je cherchais à la remixer pour qu'elle soit qu'elle fasse partie de la situation. Qu'elle se prête bien à la situation. Je cherchais pas l'expression exacte. D'accord, ce que je me disais, ça détruit les blocs. Ah, mais j'ai compris. Mais je suis un connard. Mais je suis vraiment un connard. Hein. Moi, je vous le dis. Et après, on me dit, mais non, tu n'es pas con. Mon cul, je suis pas con. Je suis un gros con. Pas pareil.
Mais non! Tu vois qu'il faut du temps pour réfléchir, ça passe mieux. Ouais, ouais, ça passe mieux, oui, oui. Dans tous les cas, c'est à peu près ça. C'est un délire du genre dans tous les cas. C'est pas bon, je nage sur l'eau. Oui, non, mais c'est le même genre, de toute façon. C'est le même genre de conneries. Yeah, 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 vous allez où les boules piquantes là? Calmez-vous hein! Pas dans ton loup, pas d'embrouille avec moi! Non, encore 7 niveaux! Oula, ça m'a marqué les secs! Oh, y'a une vie en plus! Je veux la vie! Ah, je peux pas aller... Ok. Mais non ! Mais reviens là, espèce d'abruti. Là, si... Attendez, j'ai réfléchi. Si je le bouge là, ça le dégage à droite. De droite, ça le dégage là. Ok. Voilà, là, c'est pour avoir la vie. Ensuite. Ensuite. Faut que je le remette comme ça. Merde, va falloir que je fasse tourner. Ah merde! Quel con, c'est dans l'autre sens, il fallait que je le fasse. C'était ça, mais dans l'autre sens. Bah oui, t'as des game over. Comme dans tous les jeux, si t'as plus de vie, c'est game over. Et t'as des continues infinies, puis t'as des mots de passe. Mais bien sûr que oui, il y a des game over, comme tous les jeux, poteau. Bien sûr que oui, c'est voilà, comme je dis, comme dans tous les jeux, hein, normal. Un jeu sans game over, c'est pas un jeu. On t'a mis notre corps. Mais y'a pas de soucis, MC. Mais bon appétit à toi. Bon appétit à toi, cœur sur toi, MC. Pas dur.
Ok. C'est ouais. Tranquille. Tranquille, du verbe tranquille. Alors, si je le mets comme ça. Ouais, bah c'est. Oh, c'est encore plus tranquille du verbe tranquille, hein. Ah merde, fallait que je passe avant. C'est tranquille, tu viens tranquiller, mais pas quand je fais le con aussi. Donc, ça va être un bon bordel là. Vu que la bombe allait me péter à la gueule avant que je ramasse le dernier truc. Donc, faut que je descende un bloc en bas. Façon là je suis obligé de le passer en haut. Déjà un bloc de glace au milieu, pourquoi? Parce que là de toute façon le bloc jeu bleu là je suis obligé de le monter en haut. Attendez, pour la logique et puis pour que vous voyez ma réflexion, je vais mettre le curseur. Là, vous voyez le curseur normalement, si je fais ça. Je vais tout voir le curseur. Parce que du coup, lui, si je le glace, je le monte là. Attendez, moi, ça va m'aider. Je suis obligé de le monter là, dans tous les cas. On est obligé de le mettre là. Après, dans la logique, je le dégage là. Je me demande si en le remontant ici là, s'il va se bloquer là ou s'il va y avoir une couille avec le tremplin. C'est dommage que je peux pas aller là. J'aurais pu le rechoper. Parce que là, je suis obligé de le monter là. De l'envoyer là. Ça c'est totalement sûr, la ligne là. Tac, tac. Il va revenir. Ah, ici je peux le bloquer. Je peux le bloquer là. En mettant un pion ici. Le bloc là. Dès là, du coup, j'aurais pu le remonter en haut. J'aurais pu le bloquer ici, mais ça servira à rien. On est d'accord que ça servirait totalement grave. Ah, si, ça servirait. Que je le bloque là. Après, je le dégage ici. Le mob là, il le pousse là. Et ce mob là, il le pousse en bas. C'est fort possible. C'est fort possible. Nu. Ah mais d'accord, l'autre il pousse déjà mon bloc, cet abruti. Ah, c'est pour me montrer la mécanique. Voilà. Je
Normalement là c'est bon. Tout simplement. Moi c'est tout facile. Il y a rien de difficile, voyons. Tu vois bien qu'il finit bien, qu'il est tout facile. Encore deux levels. Ok, faut juste que je le monte. Alors. C'est tout bidon. C'est tout bidon. Je le congèle. Je le fais rebondir entre les deux là. Je me place là, je le dégage en haut. D'en haut, je me place ici, je le dégage là. De là, je le dégage ici. Et puis d'ici, je le dégage là. Puis après, je le dégage en haut. Mais c'est tout bidon. Moi, c'est tout facile. Ah ouais, mais il y a un canon. Ah, c'est moins tout facile d'un coup. Hey! Puant le niveau. C'est bizarre, t'as des niveaux que ça te fait mal à la tête et puis après t'enchaînes des niveaux, ils sont tout faciles. La solution, tu la trouves en 4 secondes chrono. C'est honteux. Mal géré la courbe de difficulté dans ce jeu. Alors, là. Même sans me servir du marteau, logiquement, je pourrais cheat. Parce que si je l'envoie comme ça, que je me place là, je le dégage ici. Et après, je fais la même, je me place là, je le dégage là, et je le dégage là, non? On va tenter. C'est pas sûr ce que je pense, mais on va tenter. Ah oui, non mais si, je me fais défoncer. Parce que sinon, avec le marteau... Avec le marteau, ça donnerait quoi? Parce que si le marteau, je le mets comme ça, le bloc il va taper là, le marteau il va l'expédier là. Donc pour ce côté là on est bon. Bah le deuxième c'est pareil. Bah c'est tout facile en fait, désolé. Faut que je me serve du marteau, my bad, j'ai fait de la merde dès le début. Je fais ça. Et ça. Ah mais... Faut que je redégage le marteau. Faut que je dégage le marteau entre temps. C'était ça, mais le marteau, faut que dès qu'il est dégagé vers la gauche, faut que je la bouge. Bon bah allez, allons voir le boss. Il y a encore combien de monde, mais... Je répète encore une fois, le jeu a l'air d'être vachement long. Ah tant pis, hein, je prendrai le mot de passe et puis on va le terminer ce jeu-là, je peux vous le garantir. Je kiffe. J'aime bien, bon jeu. Bon petit puzzle game de la joie et du bonheur. Oh là là, un monde en gâteau. Un monde de gâteau. Ça c'est mon monde à moi. Ah ouais, c'était Cakeland. C'est con. Le monde il s'appelait Cakeland, donc normal qu'on ait un boss gâteau. Ah, une tortue ninja.
Même battre la tortue ninja. C'est à peu près la même technique que je parie de toute façon. Ah le bâtard! Je pensais pas qu'il continue autant. Je pensais pas qu'il allait autant se déplacer. Je me suis dit, il va faire un rebond comme le premier tour et il va s'arrêter, mais non. Nope. J'arrive du bureau de poste et j'ai reçu mes jeux. Ah mais nice ça. Nice de Saichi, c'est cool. C'est cool ça. Mais il va tellement vite. Qu'est-ce que je vais faire après les persos clean up time. Oh, tu peux même le faire pendant le live perso. Ah, il y a le curseur, pardon. Si t'empêches de le faire même pendant ton live perso, Sidechief. Tu peux nettoyer des cartouches en regardant un live. Je pense que les deux en même temps... Tu ne sais pas faire deux choses à la fois. Même les femmes, elles savent faire deux choses à la fois. Nah, je rigole, je suis pas un macho. Je suis pas un macho. Je ne vais pas dire que même si les femmes savent faire deux choses à la fois, normalement, t'es censé savoir faire deux choses à la fois. Je ne le dirai pas. Je taquine, hein, je taquine. Parce que en plus, c'est pas du tout mon style. Je suis vraiment pas un gros macho de merde. Et justement, c'est l'amour vache. J'aime tellement les femmes que je les taquine à mort. Non. Je crois que c'était l'inverse de quoi? Comment ça que c'était l'inverse? Putain, j'aurais dû rester dans le coin. Comment ça que c'était l'inverse? Que les femmes savaient faire de la chose à la fois et pas des hommes? L'inverse de quoi? Enfin, j'étais pas suivi là, de ces chiffres. Ok, je fais de la merde. Bon, de toute façon, je fais ce boss là. Je prends le mot de passe. Et puis, on va partir sur ton live perso. Hein. Le temps que j'aille faire un café, que je prépare une petite clope et tout avant, on sera déjà parti pour le live perso. Ouais, exact, les femmes font plein de choses en même temps, et nous... Ah non. Non, tu dis des conneries, je suis désolé, moi je sais faire plusieurs choses à la fois. Regarde, par exemple, je fais speedrun, lire un chat, et rouler des clopes en même temps, fumer, faire un speedrun, lire le chat, je sais faire plein de choses à la fois. Ah, faut pas prendre ton cas pour une généralité de ces chiffres. C'est pas parce que tu sais pas regarder un live et nettoyer deux cartouches en même temps que tout le monde ne sait pas faire deux choses à la fois, que tous les mecs ne savent pas faire deux choses à la fois. N'importe quoi. N'importe quoi. Ça, c'est que ton cas à toi, de ces chiffres. Ah, tu mens. Tu mens, ma petite casse d'amour, je le sais. Je le sais que tu montres. Tu mentires, là.
Tu sais que ce n'est pas vrai ce que tu dis, ma petite casu. Ouais, merci pour le gelé, mais c'est pas compliqué, ça va. Ça va, les boss, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Ouais, mes niveaux, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Un ou deux qui m'ont un peu piqué ma neurone parce que je connaissais pas encore certaines mécaniques, mais. Bon, bah maintenant, je voudrais bien le mot de passe. Je suis obligé de me suicider pour avoir le mot de passe. Ouais, putain, en plus, attendez. Je vais vérifier un truc, mais je crois que c'est le dernier monde. Bah, sans compter le spécial game. Mais... Oh putain, Thaïlande, c'est le dernier monde. Putain, fallait que je mange tout. J'ai envie de faire tous les achievements quand même. Ah, fais chier, c'est le dernier monde. Bon, bah putain, j'aurais bien. Bon, bah, vas-y, on le fera après. On le fera plus tard. Bah ouais, mais je dois faire un live perso, DJ. Je dois faire un live perso, donc j'ai pas le temps de le terminer. Là, je suis un peu tristesse pour le coup. Vas-y, tuez-moi, il me faut le mot de passe. Faut que je me suicide pour avoir un mot de passe. Je vais quand même faire une safe state, même si de base, je suis pas safe state. Ah bah voilà. Ça va, les mots de passe, ils sont pas énervés. Je vais le noter quand même. Par contre, problème, c'est que j'ai perdu mon stylo. J'ai plus ma stylo. Je dois noter sur une feuille, une note. J'ai vraiment perdu mon stylo, ça c'est un chat qui me l'a volé. Hein. Mes chats, c'est des voleurs. Alors, ça va être chiffre, on a dit 19h. Pour live perso, on a dit 19h, donc c'est 19h. Quand on dit quelque chose, eh ben on le fait. On a choisi 19h, ça sera 19h. Alors, MDHF JNBQ. Il faut juste que je note que machin. Donc c'est Kickle Cubicle mot de passe Toyland. Voilà. Bon bah du coup. Déjà je vais faire un truc, c'est que je vais enlever le curseur, on en a plus besoin pour le moment. Je vais vous mettre une petite pause. Une micro-pause publicité, le temps d'aller me faire un café, de, comme je vous disais, de me préparer ma clope et tout. Et quand je reviens, on envoie le live perso de Monsieur The Série de Chiffres. Donc, petite pub, 3 minutes, le temps de me mettre bien comme il faut, de me préparer, et je reviens, on envoie ça. Donc, à tout de suite.